Des zombies, des soldats, des voisines qui dansent. C'est ça la marche des zombies d'Hastings. Cette petite municipalité en Estrie a été envahie samedi par les morts vivants, juste à temps pour la grande fête de l'Halloween. Le maire de la ville ne semble pas excessivement inquiet. On dit qu'Hastings, c'est différent, fait qu'on va garder notre titre à juste titre, je crois. Les résidents du secteur aussi accueillent favorablement cette parade de corps réanimés. Ah, moi, j'adore ça, ces choses-là. Puis chapeau à ceux qui l'ont tout organisé. C'est vraiment le fun. La Maison des jeunes a tenu la première marche en 2011. Encouragée par le succès de l'an dernier, les organisateurs ont volontiers répété l'expérience. L'an dernier, c'était la contamination. Fait que là, cette année, c'est l'épidémie. Écoute, on atteint au-dessus de 200 zombies ici aujourd'hui. Là. Ces zombies-là viennent principalement de l'Estrie. Puis il y en a même, là, je te dirais, ça sort, là, ça va jusqu'à de Québec, Montréal, avec Mégantic, Asbestos. J'ai un comité bénévole incroyable ici. Juste pour te donner une idée, l'an dernier, on était 4 organisations. Dans l'organisation, cette année, on est environ 18. Fait que ça montre l'ampleur de l'engouement zombie. L'idée vient de moi, mais a été pêchée, bien entendu, d'un ami à Québec qui en faisait une marche de zombie à Montmagny. Puis ça mijotait un an avant qu'on fasse l'année test l'an dernier. OK, on part! Nous, on inclut un scénario digne d'un film d'horreur. Le départ se fait ici, de la Maison des jeunes, à 5 heures. Puis on se rend au bureau de poste. On a une intervention simulée armée avec un escadron de 20 soldats. Il va y avoir des coups qui vont être tirés. C'est des fusils de paintball. Il n'y a aucune balle à chargeur, c'est juste le bruit de l'air qui sort du fusil qu'on va entendre. Puis par la suite, on continue notre marche jusqu'à la forêt de Freddy, au parc des Deux-Rivières, là où se trouve la grande fête d'Halloween de Hastings. Je te dirais, on est des zombies pas mal amicales. C'est familial, notre affaire, tu sais. C'est contrairement peut-être aux autres marches qui sont un peu plus réservées à clientèle goth ou métalleux. Là. Bien, nous autres, c'est ça, c'est familial. Mes zombies! C'est super fun! Ah, c'est hot! J'ai bien aimé ça. La petite fille a eu peur un peu, mais je trouvais ça pas pire. Moi, je veux faire peur. C'est ça, mon but. Ah, on vient manger des petits enfants. Ça démontre le dynamisme qu'il y a dans la municipalité puis les groupes de bénévoles qui s'impliquent énormément au niveau de chez nous. Je pense que ça fait un peu du bien aux gens qui sont en région, tu sais, veux dire... On a une chance de s'amuser. Puis comme vous voyez, les gens participent énormément. Je pense que c'est le but premier. Je trouve que c'est une expérience que je voulais vivre. Puis j'ai vu ce qui avait été fait à Montréal. Je trouve que de le faire dans des plus petites villes, ça peut être génial. Puis j'ai hâte que ça s'emmène à Sherbrooke aussi.